Bonjour Claudine Tierselin. Vous êtes titulaire de la chaire Métaphysique et philosophie de la connaissance. Compte tenu de l'évolution de la philosophie, et comme vous le disiez dans votre leçon inaugurale, vous n'êtes ni une théologienne professionnelle ni une séminariste philosophe. Finalement, comment vous vous présentez aux auditeurs du Collège de France Quelle métaphysique vous voulez leur enseigner Je tiens beaucoup à, à appuyer euh, ma démarche sur les acquis de la logique et de la philosophie du langage. Je crois que c'est très important de le faire, donc vous voyez c'est ainsi que je définirai en premier le, la scientificité de la démarche parce que ça permet euh, de donner un contenu à euh, ce qui me paraît très très important, à savoir euh, s'efforcer de démontrer que les énoncés que nous faisons en métaphysique recouvre vraiment de vrais problèmes et non pas des pseudo-problèmes, que les concepts que nous utilisons ont un contenu euh, qu'il est possible de tester, dont il est possible aussi éventuellement de montrer euh, pourquoi ils n'ont pas lieu d'être, qu'ils entraînent dans des dérives et des illusions. Euh, nous avons aussi euh, peut-être trop vite l'impression que les mots et, et même les concepts que nous utilisons renvoient à des choses. Or ça, ça ne va pas forcément de soi tout de suite non plus. Pour vous prendre un petit exemple, euh, ce n'est pas parce que quelque chose euh, est concevable qu'il est possible. Donc il faut déjà savoir euh, dans les questions que l'on aborde euh, celles... Pour lesquels on peut éventuellement concevoir un certain nombre d'effets, et à partir de ce qui est concevable, déterminer ensuite ce qui est possible, a fortiori ce qui est nécessaire éventuellement. Mais vous voyez, il y a tout un travail à mener sur les concepts, euh, et donc qui s'inscrit là vraiment à, à un niveau que j'appellerais purement a priori du reste de la démarche. Une fois la définition conceptuelle bien posée, bien cadrée, alors là vous passez finalement à la confrontation avec le réel pourquoi voulez-vous que la première, euh, la première étape ne soit pas déjà une confrontation avec le réel Je crois que, justement, c'est au contraire euh, l'analyse conceptuelle qui nous permet déjà, d'une certaine manière, d'aller du côté du réel, au sens du moins, où on s'assure que les mots qu'on emploie renvoient à des concepts et donc sont déjà les produits d'un jugement. Quand on juge, en général, si on juge bien, euh, on renvoie déjà à des choses dont on peut penser qu'elles sont vraies. Donc on n'est pas forcément, même dans la première phase, éloigné du réel, a fortiori, dirais-je, parce que dans la méthode que je suis, j'accorde aussi énormément d'importance... Euh, à l'intuition. Vous ne les rejetez pas, les intuitions, Absolument vous les interrogez, c'est ça Je les interroge, je crois que c'est très très important de considérer que fait partie euh, de la démarche métaphysique la prise en compte d'un certain nombre euh, d'idées, euh, de croyances que nous avons. Je n'ai pas du tout la conception de la métaphysique comme euh, de quelque chose euh, qui serait par exemple ce que Descartes avait en vue, c'est-à-dire qu'il y aurait la nécessité euh, d'un point de départ. À dans lequel on mettrait en doute euh, toutes nos croyances. Je crois que c'est une démarche dont il me semble qu'il faut montrer, du reste je l'ai fait à d'autres occasions, euh, en quoi, euh, si l'on veut, si l'on décide de mettre radicalement toutes nos croyances en doute, il faut euh, exhiber les conditions de possibilité de ce doute. Et je crains fort, enfin, j'ai essayé de montrer qu'elle euh, nous conduisait à un certain nombre de non-sens. Voilà pour la première phase, la première étape et la seconde alors la seconde phase ou la seconde étape consiste une fois que a été menée ce qu'on pourrait appeler la partie proprement a priori, euh, analyse conceptuelle, massage énergique aussi de nos intuitions, et eh bien de euh, confronter euh, l'analyse la, un peu plus directement euh, aux résultats euh, que nous, peuvent nous donner les, les différentes sciences empiriques. Et donc c'est ce qu'on pourrait appeler la partie a posteriori de la démarche. Alors ça, c'est la spécificité de votre démarche, c'est euh, suivre en permanence, finalement, l'avancée des autres sciences empiriques. Et puis, la méthode, c'est aussi avoir cette démarche très scientifique, c'est-à-dire euh, hypothè doute, euh, hypothèse, euh, vérification ou affirmation. Euh, c'est une démarche très particulière en philosophie, on ne s'attendrait pas à la trouver en philosophie. Euh, là où peut-être ma démarche est... est un petit peu différente, mais vraiment je le dis euh, bon, avec toute l'humilité la, la, nécessaire, c'est que j'essaie de combiner en effet euh, un certain nombre d'instruments euh, bon, qui nous ont été apportés évidemment euh, depuis l'Antiquité, euh, euh, la logique, euh, l'étude des textes, euh, j'essaie un petit peu plus peut-être de euh, les mettre en en difficulté à partir d'un certain nombre de résultats empiriques. C'est aussi ce que faisait Descartes, c'est aussi ce que faisait Leibniz. Donc je ne suis pas sûre que ma démarche soit si originale que cela du tout. Je, je crains fort. En revanche, peut-être que ce qui est plus original, c'est le fait, en effet, que je, euh, je prends très au sérieux la nécessité de, euh, de tenir compte d'un certain nombre des, des progrès de la science. Par exemple, euh, je, je vous prends l'exemple de l'eau. Est-ce euh, que nous sommes sûrs, étant donné l'évolution dans l'histoire des sciences, étant donné les progrès, que nous parlons toujours de la même chose Et vous voyez, donc c'est une préoccupation à la fois épistémologique et sémantique. C'est-à-dire, comment est-ce que nous avons accès euh, aux choses dont nous parlons, n'est-ce pas Et, et aux, aux choses dont le savant nous dit qu'elles sont. Et en particulier, est-ce que je suis sûr, quand je parle de l'eau aujourd'hui, après la chimie de Dalton, et maintenant que je sais que l'eau c'est H2O, est-ce que je parle de la même chose que ce dont pouvait parler justement quelqu'un avant de le savoir Avant de le savoir. Si vous considérez que euh, vous ne parlez pas de la même chose, ça pose quand même des tas de problèmes, y compris aux scientifiques. Eh bien parce que si vous dites que ils ne parlent plus de la même chose, à la limite il ne parle plus de rien, ou en tout cas il ne peut même plus dire que celui qui parlait avant euh, de l'eau parlait euh, d'autre chose. Vous voyez, il faut qu'il y ait une forme de stabilité référentielle, quel que soit le changement conceptuel qui intervienne, pour qu'on puisse dire éventuellement que quelqu'un s'est trompé. Cette année, dans votre cours, vous poursuivrez euh, la métaphysique des espèces naturelles Oui, précisément sur deux angles. J'ai souhaité euh, cette année mettre l'accent, euh, conformément à ma, à ma démarche, essentiellement sur l'aspect, euh, euh, la partie a priori de ma démarche. Vous voyez, justement, essayer de, euh, de voir où étaient les faux problèmes, comment il ne fallait pas les poser, bon, euh, pourquoi il y avait éventuellement certains problèmes épistémologiques clés euh, dans, dans cette question relative à la métaphysique des espèces naturelles, par exemple celle de savoir si véritablement, sauf si nous disposons d'une forme d'essentialisme, que j'essaie de définir depuis le début de mes travaux, euh, est-ce que nous pouvons avoir un accès cognitif? Aux choses telles qu'elles sont. La deuxième partie de, de l'analyse va consister beaucoup plus à aller directement, même si j'ai commencé à le faire, du côté des sciences empiriques, et donc aller euh, interroger un petit peu avec les outils euh, que j'ai, je pense, un petit peu déjà mis à, à disposition et l'année dernière et l'année précédente, euh, et bien un certain nombre de, de choses, de, de, de cas. Euh, dans la chimie, euh, en botanique aussi, en biologie, parce qu'évidemment, il y a énormément de questions qui se posent en biologie, dès lors que vous voulez essayer de donner sens, dans une perspective réaliste, à euh, la connaissance ou la métaphysique des espèces naturelles. Et puis, je pense que, en tout cas, j'en ai bien envie, je souhaite aussi euh, aborder la question un petit peu dans le domaine de l'anthropologie, euh, parce que je crois qu'il y a un certain nombre de regroupements dans le, le, le cadre de, de l'anthropologie euh, relative par exemple à euh, qu'est ce que c'est qu'une race bon euh, comment est-ce qu'éventuellement une catégorie euh, un, un groupe de choses euh, qui peut avoir une pertinence dans une certaine science n'en a pas et pourquoi en anthropologie par exemple vous voyez ou en tout cas pour, euh, ou au contraire euh, pourquoi et, et si ça en a Enfin se demander est-ce que ça en a Et si ça en a, il vaut mieux avoir un certain nombre de bons arguments et de bonnes justifications là-dessus.